Dis au peuple de Dieu, avant toute chose, nous allons saluer notre Dieu, Papa Guy et Milou Fosetikwabo. C'est faible. J'ai pris la voix, mais vous pouvez. C'est lui qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui. Notre Dieu, Papa Guy et Milou Fosetikwabo, le propriétaire des affaires. Tout à fait. Ah papa, Nsaïa Yingi, Boutoubwa Bané Betoban Sony, sur ce mont, le mont de l'histoire, le mont Sinaï, où tu as envoyé ta lumière à travers le monde entier, papa. Reçois les salutations de tes enfants. Reçois ma bonne fête, ma bonne fête, ma bonne fête, papa. Na souka, na miti, na kokina, ma bonne fête, yansayi, yabani, yanenyo, surtout. Papa, peut-être que si ma boko yange, zambi, pour applaudir, pour faire parvenir notre joie auprès de toi. Applaudissons, ça qui est, privilège, Mpeliwe ya kali ya me, Tarebile ya kali ya me, ya kali ya me, ta ya kali, Oki emile ya kali ya me, ta ya kali, Ose tikwa buye ya kali ya me, ta ya kali, Oki emile ya kali ya me. Papa Guy et mille fois c'est quoi bon, nous sommes aussi les anciens. Papa Guy et mille fois c'est quoi bon, pour moi, Tara, il y a ici, il encore, nous tous les lits, dimanche 24 décembre, Père éternel, Père de gloire. Papa, nous vous montrer que vous êtes un ami que bien, malgré la bien, bien, Tara, nous vous montrer que vous êtes un ami. Tara, que vous êtes un ami, vous êtes un ami. Yata kalia bi, yata assiste bi, yata wa bim pina we, tara mugu shigu e mutsugle lobo. Kalta anzami, yanda in tsugme ta anzami parce que li volonté li we poke bi bana we li changer. Nya ke ta bana we ba yaga. Mon tchongo mo, pour que ta anzami, on sala we ka yosu. Papa Emile, Papa Emile, kalia bi lobo, kalia bi okia, kalia bi Matsumaya, Loki Sabi, Loki Se, Tarbuki Bana et Tanzami, va sautiller de joie. Moi, moi, mon fou, ma vie, on peut nous en opi. Guy et mille ou fois, c'est du quoi, bon. Amen. 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 Ma frère, ma soeur, moi, j'ai bien doué. Que papa Emile nous bénisse tous. Mouno, ni moi n'ai beno, sœur Yabeno, la sœur Mokouri Florence, membre confirmé de l'OPH et présidente adjointe de la section de Galilée en Belgique, et celle qui a été choisie par Papa Guy Aimé lui-même pour pouvoir officier sous son contrôle, bien évidemment, cette grandiose fête des quadruples fêtes de décembre 2023.
Moussoumouki en pamba, mais va mettre tout le nabé, ça va bande nous tout. Papé mine. Donc le mot de ce matin, je l'ai pris. Donc faut-il vous rappeler que. Et je vais laisser Papa Chrisman la parole. Merci. Faisons lecture dans le document intitulé « Faut-il vous rappeler que » tome 1 et 2, à la page 5, au 4e et 5e alinéa. Au nom de Papa Émile. Lorsque les frères et sœurs prient, très souvent, ils ne s'engagent pas à fond dans leur prière. Ils ne croient pas à ce qu'ils prononcent. Ils ne croient pas tout à fait qu'ils seront exaucés. Ils se ménagent une porte de sortie pour le cas où cela ne marcherait pas. Et du coup, cela ne marche pas. L'efficacité d'une prière peut se manifester du coup. Un moment après, peut prendre du temps. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec vous. Mes bien-aimés, en cette île, j'ai choisi, par la grâce de Papa Émile, cette parole que nous avons certainement tous lue. Et en ce jour où nous célébrons les quatre fêtes jumelées, où Papa Émile nous a tout donné, la belle cité, la lumière, et il a dit, tous ceux qui viennent se baigner, ou bien qui foulent aux pieds la terre, la création, reçoivent ce qu'ils veulent, reçoivent guérison, reçoivent tout ce qu'ils sont venus demander. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir cette bénédiction donnée par Papa Émile quand il dit que je vous ai tout donné? Le mot tout, ça veut dire que c'est sans limite. Mais il nous arrive des situations où des années, si le problème ne se résout pas. Pourquoi? À cause toujours de nos comportements, de nos mauvaises habitudes et parfois, à cause de notre foi en Dieu. Comme vient de lire Papa Chrisman, que dès que nous commençons à prier, si cela n'arrive pas, nous optons pour la situation, pour l'option B. Papa Émile dit que dans chaque situation, la solution peut arriver maintenant, ou après, ou longtemps après. Mais nous n'avons plus cette patience. Souffrir ne fait plus partie de nos vies. Et nous optons pour les petits magories. Nous optons pour la facilité. Quand nous prions, mes bien-aimés, on s'est dit, Manita, nous devons être fermes dans la foi, quelle que soit la difficulté. Il n'y a pas d'autre option possible que la prière et la confiance en Dieu. Nous devons vraiment faire confiance absolue à notre Dieu pour pouvoir obtenir ce que nous voulons et par sa grâce, selon sa volonté aussi. Et en son temps. Je vous ai dit, je pense il y a deux jours, mon expérience de la COVID. J'étais victime, la première peut-être parce que c'était le 16 mars, on n'avait même pas fermé les frontières, j'ai été atteinte de la COVID. Comme un jeu, hein. J'avais perdu la voix, je ne pouvais même pas parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certaines de mes frères et sœurs, même les membres confirmés, commençaient à pleurer. Et c'est moi qui les exhortais. Malgré que je n'arrivais pas à parler, je leur disais, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu n'as pas confiance en Dieu? Notre Dieu, Papa Émile, pourquoi tu pleures? J'avais mis mon espoir en Guy Émile Oufouassé-Tikwabo. On voyait les morts dans la chambre d'hôpital par terre.
Imaginez l'état. On vient, on te laisse devant l'entrée, ton mari n'entre pas, ton enfant n'entre pas, et on te prend sur une chaise allongée, on roule avec toi dans un tunnel parce qu'il fallait tout fermer pour ne pas contaminer les gens. C'est pas maintenant qu'on connaît comment la COVID fonctionne. Donc rien que voir ça, j'allais peut-être paniquer. Je suis de nature quelqu'un qui paniquait, oui. Mais ma petite sœur me dit, mais dans ta maladie, c'est toi qui nous as rendus forts. Parce que j'avais confiance à 100% à notre Dieu. Je lui ai dit, si ça arrive, c'est ta volonté. Mais papa, regarde, j'ai perdu mes parents très jeunes. Donc mes enfants n'ont pas connu les grands-parents. Et c'était des pleurs pendant les fêtes de l'école. D'autres venaient avec les grands-parents. Et à chaque fois, maman, pourquoi on n'a pas de grands-parents? Et je dis à papa Émile, papa, tu vas me faire cette grâce-là. Que j'ai aussi des petits-enfants qui vont profiter de moi. Par sa volonté. La confiance, mes bien-aimés. Encore un exemple. Je suis arrivée en Belgique depuis 92. Et diplômée que j'étais, comptabilité et tout, mais avec les années blanches qu'on a eues ici, je ne pouvais pas continuer l'université, donc j'ai fait une petite formation pour avoir un diplôme. Le but, c'était de revenir. Mais la guerre est arrivée, on ne pouvait plus, donc il fallait s'organiser sur place. Et c'est, tout ça, c'est la volonté de papa Émile. Mais pour avoir un travail fixe, normal, par rapport à ton diplôme, en ce temps-là, c'était très, très, très difficile. On s'occupait de femmes de ménage, femmes de chambre, femmes de ceci. Et c'est de ça qu'on se nourrissait. Mais moi, la princesse de Guy-Émile, il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce, mais j'avais confiance. Je vous ai parlé de la confiance et de la pensée positive. De la pensée d'un homme, moi, me confirmer, ne peut pas avoir une pensée négative dans son cœur. Parce que l'esprit de ça ne sera plus là. J'avais vraiment confiance. J'ai cherché du boulot. J'ai écrit partout. Mon mari me dit, tu te fatigues. J'ai même eu, le jour de mon entretien, un accident de voiture. J'ai abandonné la voiture, je suis partie. On verra ça après. Et ça n'avait pas marché tout ce que j'avais fait là parce que il y a un frère qui a demandé si je parlais le néerlandais. Donc je suis la noire de papa qui ne parle pas néerlandais dans une administration belge. C'est moi. Et donc j'avais rendez-vous pour chez l'ophtalmo et dentiste à la clinique. Je ne sais plus quel rendez-vous médical pour mon fils. Et on me donne une date. C'était le 23 juin 2001. Moi, je dis à cette dame-là, je dis non, moi, je ne serai pas là. Je ne serai pas disponible. Mais pourtant, je suis à la maison. Je fais le travail, les ménages et tout quand je veux. Mais ce jour-là, dans ma tête, j'avais dit que je vais travailler. Et on m'a changé de date. Je suis allée faire la consultation médicale un autre jour. Et mes bien-aimés, on s'est dit, ce jour-là, on m'a appelé pour aller travailler, passer l'entretien dans une administration. Dans une administration, évidemment, il faut connaître les deux langues, parce qu'on travaille avec tout le monde, les francophones et les néerlandophones. La Belgique, c'est un pays où il y a deux langues, trois langues même, les germanophones aussi. Mais dans la capitale, il faut connaître les deux langues. Moi, je suis stressée de nature. Hein. Je ne sais pas, papa Émile m'étonne quand je me mets debout comme ça, devant le peuple. Donc l'entretien arrive, on fait les tests écrits, ça va, ok. Maintenant c'est l'entretien que je redoutais. Mais avec la confiance de papa Émile, je suis arrivée avec le directeur, les conseillers, tout ce monde. Je les ai fait rigoler. Mais c'est pas moi, c'est papa Émile parce que en temps normal, même la diarrhée que vous avez, tout de suite, vous me prenez la toilette. Je vais aller à la toilette avant de me présenter. Mais j'ai fait rigoler. C'est responsable de cette société. Et le néerlandais, ils n'ont même pas demandé. Et le lundi qui suivait, je devais commencer le boulot. Par la grâce d'un Émile donné.
D'où je vous dis, mes bien-aimés, la pensée et la confiance en notre Dieu doit demeurer au fond de notre cœur, de notre vie, même si les situations sont difficiles. C'est sa volonté et non la nôtre. Parfois, nous voulons donner l'ordre à Dieu et il n'est pas notre ami. Faisons seulement confiance. Et donnons-nous les moyens pour que ce que Papa Émile a promis, le tout, nous pouvons l'obtenir. Mais si, nous allons le imbi. Mais on peut aller même à Karikari 100 fois. On peut aller plonger, baigner. Papa Émile dit que parfois tu sors de là, tu es sec. Pas pour dire que moi je suis parfaite, mais c'est un travail. Je disais au fond de moi, mais je ne sais plus si j'ai dit ça à quelqu'un. Papa Émile, si pouvait donner l'occasion à chaque frère, choisir chaque frère et sœur pour venir se mettre devant lui, nous allons tous changer. J'ai changé beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avant. Parce que la crainte de Dieu, comment je vais me mettre devant le drapeau de papa, la présence de papa, dire des choses où je ne suis pas en phase avec lui. Je ne pardonne pas. Je viens prier ici. J'ai des rancunes avec un membre de la famille. Mais papa, sa prière, tu pries, papa, les mbouki, la betrebana, imbi. Mais quelle résolution, quand tu vas changer, quand nous allons changer, quel engagement j'ai pris. Et c'est ça qui bloque nos prières. C'est ça qui bloque la relation avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et à nous aussi de faire un effort de changer. J'ai demandé pardon aux gens. En temps normal, je vais dire que cette personne-là, ce n'est pas de ma faute. Il s'est retiré de moi, c'est son problème. J'ai une meilleure amie, par exemple, qui s'est séparée de son mari. Et comme on fait d'habitude, on ne peut pas tolérer que quand un couple, après plusieurs années, se sépare. Et moi, je vais avec mon conjoint pour essayer de rétablir. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, l'autre dit que je veux changer. Mais elle est partie de ma relation. Elle ne fait plus partie de ma relation. Je dis, bon, ok, je laisse, hein, c'est son choix. Mais l'examen de conscience, je dis, peut-être que j'ai dit quelque chose qu'elle n'a pas apprécié. Je l'ai appelée. Ma copine a pleuré. Elle dit, ce que tu fais là, je ne m'y attendais pas. Parce que je l'avais dit que moi, je ne souffre pas pour les copines et les copains. Moi, si tu veux de moi, on reste amis. Mais si tu ne veux pas de moi, j'en ai pas besoin. J'ai mon Dieu. Et cette personne-là, elle m'a dit, moi je pensais que tu pouvais me soutenir, même m'écouter, mais tu ne m'as pas écouté. Ça va, Bonga? Mani? Donc, je l'ai blessé sans le savoir, en voulant faire du bien. Mais je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Avant qu'on me choisisse, qu'on me désigne pour venir proficier, j'avais déjà commencé le processus parce que papa Émile savait. J'ai ma tante, la dernière de ma maman, l'unique qui est restée d'ailleurs. Plus de 25 ans, on ne se parlait pas. Pourquoi? Ça ne se justifie pas. Hein? Mais j'avais pas la rancœur. Mais seulement l'acte posé me faisait dire que c'était plus ma famille. Ma mère, c'était la deuxième de leur famille. Elle a tout fait pour ses frères, ses sœurs. Ils étaient au village, les a ramenés en ville, donnés du boulot, tout. Ma mère, malheureusement, elle est décédée pendant la période de la guerre. Elle s'appelait la sœur. Elle doit être fière de ce que je cherche. C'est la sœur. Moi, me confirmer dans le péage, la sœur Éloi Alphonsine. Pardon, papa. Je le dis avec joie. Elle est décédée pendant la guerre. Mais ses frères et sœurs ne se sont pas présentés pour l'enterrer. C'est une sœur de l'association, la sœur Gallo, qui l'a enterrée avec mon petit frère. Nous, on était tous en Europe. J'ai appris cela 3 mois après parce que les courriers ne passaient pas, rien du tout. Les courriers ne passaient pas. Donc cet acte-là a brisé notre relation. Donc j'ai coupé tout. Mais
Avant décembre, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, écoute, ça fait tellement longtemps. L'eau a coulé sous les ponts, je n'ai plus de rancune, rancœur. Je ne murmure plus, pourquoi pas l'appeler? Elle demande de mes nouvelles parfois par les nièces, les enfants de mes oncles qui sont là-bas. Oh, vous avez leurs nouvelles, mais s'il y a une situation dans la famille, cas de décès ou quoi, on envoyait l'argent, mais coupure totale. Et j'ai appelé cette maman sur Facebook, j'ai vu, je connais son nom. J'ai demandé l'amitié et je l'ai appelée. Je lui ai demandé pardon. Elle dit, je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais elle ne sait pas. Ta soeur, tu ne sais pas où est-ce qu'on l'a enterré jusqu'à aujourd'hui. Mais je l'ai pardonné. Donc je donne ces exemples-là, mes bien-aimés, on s'est dit, si vous croyez que notre Dieu, Papa Egui, Émile, est pour nous, et avec nous, rien ne peut vous éloigner de l'amour de l'autre. Rien, rien, rien. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Il y en a tant d'autres. Mais Papa Émile m'a fait vivre, m'a donné cette conscience-là de pouvoir aller vers l'autre, même si c'est lui qui a tort ou bien c'est lui qui m'a offensé, de faire le pas. Je fais mon travail, je fais le pas, le reste n'est plus moi. C'est ton problème si tu me pardonnes ou si tu ne me pardonnes pas. Je ne demande même pas les explications. Donc voilà un peu. Vraiment, faisons ce travail-là. L'examen de conscience. Nous avons les macabous, les macabous, les macabous donnés par Papa Émile. Nous avons le droit d'aller à la terre de la création, boire à la Guétanie, tout et tout, mais nous ne trouvons pas les solutions. Faisons l'examen de conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose certainement qu'on a oublié. Demandons à Dieu de nous révéler même les péchés cachés. Oui, mes bien-aimés. Mani. Manita. En parlant des péchés cachés, quand je suis partie en Belgique, évidemment, je faisais mon courrier. Mais un jour, je pense que j'avais plus l'argent ou bien il me manquait un billet. J'étais ouvert un courrier, j'ai pris et j'ai remis. J'ai vécu avec ça sans le savoir. Pour moi, c'était normal. Allez, j'y pensais même plus. Mais c'est qu'un jour, un frère a témoigné qu'il a ouvert son courrier. J'ai dit, hé, mamie, mais papa, moi, j'avais fait ça. Il a demandé pardon, j'ai recommencé mon courrier de membre confirmé à zéro. Pour vous dire qu'il y a des fautes qu'on oublie, demandons à Dieu de nous révéler cela pour que notre relation avec Dieu soit la parfaite possible. Je sais que la perfection n'est pas de ce monde, mais tendre vers la perfection est possible. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons les modèles que des mauvaises choses. Bande à l'usolo, ou finga. Bande à l'usolo, ou t'as la même les yeux là et te regarde comme si elle allait t'assassiner. Bande à l'usolo, hé, mounou mouké les pilines, à mounou, après ça qu'on avait la mounou, hé, tu es en train d'offenser ton prochain, du soumou. Du soumou, ya néné. Moi, ah, je suis direct, direct, tu blesses l'autre, tu frustres l'autre. Papa Émile n'aime pas ça. Papa Émile demande qu'on se corrige les uns les autres avec amour et douceur. Papa Émile, je te dis merci parce que c'est toi qui me fais vivre, vraiment. Et tout ceci, je le dis à ton nom précieux. Guy Émile ou fois c'est Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous.